Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Donc nous sommes jeudi. Je vous ai pas encore pris de la journée. Là je vais prendre mes serviettes. Il est 23h. Et je vais prendre ma douche, mais elle va prendre un petit bain. Je ne vous ai pas pris de la journée, donc je vais vous raconter un petit peu, mais bon, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est vrai que je n'ai pas filmé aujourd'hui. Il y a les chats, ils sont énervés. Hein. J'ai fait tourner mon linge tard, donc j'ai pas pu mettre du Mais surtout, mes cheveux. C'est pas grave, ça va sécher quand même. Ah, touche mes cheveux. Touche mes cheveux, ils sont tout doux. Oui. Ah, j'aimerais bien les toucher pendant toute la journée. T'es énervée, Kenoa? T'es énervée? Aouh! Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va. On fait aller. Mon petit cœur a fait des bêtises. Mon petit cœur a fait des bêtises. Je vous ai mis un peu trop. Hein. Mimi, elle vient de renverser toute la gamelle d'eau et du coup, elle a eu très peur. Il fallait me débarrasser. Pas des bêtises. Bon, après, Mimi, elle ne fait pas exprès non plus. Hein. Oh, mon petit cœur. T'as eu peur, hein, ma fille, en plus. Et mon bébé. Pas grave, on va la ramasser. Elle a peut-être voulu juste boire. Je vais ramasser l'eau. Parce que après ça va s'imprégner dans le parquet. Maman, quoi? J'ai peut-être un petit peu trop serré, hein? Oui, là, oui, faut pas mettre comme ça. Mais... Regarde. Ben, je l'ai vu, hein. Pourquoi? Ben, parce que. C'est des très grandes serviettes, c'est chiant, ça traîne par terre. Je sais pas pourquoi je mets des épingles, mais pour moi, si les chats s'accrochent dessus, ça tombera pas. J'ai été faire un peu de jardin encore, mais j'ai mal au brelo du coup. J'ai mal dans les bras. C'est celui-là. Oui. Ok. Là où je me couche, c'est là. Ah, tu prépares pas? Non, je me couche. Okay. Je me couche toute seule. D'accord. Après, je te jure que je vais faire le tien. Après, je vais faire le tien. Mais quand même, pas te laisser tomber. C'est gentil, ça, en tout cas. Après quoi elle court qu'elle mort parce qu'elle va en dessous du meuble. Hé hey, maman. Hé hey, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle va partir en dessous. Je finis mon linge et après je vous parle.
Oh, vous êtes tombé. Écoutez, je finis mon linge, j'arrive. Bon, je vous reprends, du coup, j'ai fini mon linge. C'est Mel qui fait le ménage. Regardez la serviette. Je sais pas si vous allez voir. Elle a craqué dans la machine, à mon avis. Bon, elle devait être déjà bien abîmée, mais elle a tout craqué. Ça me gratte. Regarde, maman, il y a pas de problème. Pas grave. Attendez. Maman, je comprends la vie d'avoir les gosses. Je comprends la vie d'avoir les gosses. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Je fais tout ça à la place de maman. Vous savez pourquoi? Elle débarrasse la table. Elle débarrasse la table, mais pourquoi on s'installe? Bon, du coup, il y a la grosse qui a mis ses fesses juste là. Tu fais quoi, mon cœur? Tu iras laver tes mains, hein. Avec les lingettes. Bon, du coup, je ne vous ai pas pris ce matin, comme d'habitude. On donne à manger, enfin, je sors les filles, on donne à manger, je déjeune, je bois mon café, je me lave, comme d'hab. Hein. Et ensuite, Camille, elle est descendue, je sais même plus à quelle heure elle était descendue. On a fait toute la vaisselle. On a fait toute la vaisselle. Ensuite, on a préparé à manger pour midi. Donc, j'ai juste fait des coquillettes. On va manger ça avec de la sauce tomate et du gruyère. Et Mathieu, lui, s'est fait des nuggets avec, mais voilà. Je comprends la vie d'avoir des bêtes. Mais t'arrêtes de dire ça. Et en même temps, j'ai fait cuire mes œufs durs. Et on avait préparé, Camille avait préparé les pommes de terre au cookéo, parce que ce soir, on mangeait pommes de terre en salade. Donc, comme ça, en fait, on préparait déjà le repas du soir. Donc, avant de faire à manger... Avant de faire à manger, on avait fait toute la vaisselle. Qui c'est qui pleure? C'est toi qui râle? Oui. Ah. Ouh, jusqu'où? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, donc on avait fait toute la vaisselle et on avait j'ai tout aspiré. Camille, elle a lavé le salon et ensuite j'ai lavé salle de bain, toilette, salle à manger, cuisine, voilà, tout comme ça, tout y était rangé, propre, etc. J'ai même nettoyé mes portes, salle de bain, toilette, les murs du toilette, les murs de l'escalier, bref, tout y était nettoyé. Et du coup, après, on a fait à manger, on a mangé. Et aujourd'hui, normalement, j'avais mon rendez-vous aujourd'hui entre 13h30, c'était ça, là. Entre 13h30 et 17h30, j'avais mon rendez-vous, le menuisier qui devait passer. Les angles de cette vidéo. J'ai le menuisier qui devait passer pour changer ma poignée de toilette, je vous avais dit. Et j'ai pas bougé de l'après-midi. J'ai attendu toute l'après-midi et il est jamais venu. Donc demain je vais appeler et je vais leur dire, moi je reste bloquée en fait chez moi et il n'y a personne qui vient quoi. Là mon genou, vous voyez, c'est quand même dégonflé, mais ça me fait une plaque. Quand je touche, ça va encore, mais si j'appuie dessus, ça fait un peu mal. Il n'y en a pas, mais c'est rien, pose-le au-dessus. Mais ça me fait une grosse plaque, du coup.
Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait une plaque comme ça. Mais bon. Du coup, j'ai attendu ouais, toute l'après-midi. Et après, ma mère, elle est venue faire un tour avec ma soeur et ma nièce. Vers. Elles sont arrivées vers quelle heure? 17h. Ouais, vers 17h. Donc, elles sont venues à la maison à 3. Elles sont venues à pied. Et ensuite, j'ai mes trois autres soeurs qui sont venues bah, à la maison aussi. Ils avaient la voiture à ma mère, parce qu'elles étaient parties se faire tatouer, toutes les trois. Et du coup, elles sont venues à la maison, toutes les trois aussi. Il y avait du monde chez moi, pour une fois. Parce que moi, il n'y a jamais personne qui vient à la maison. Donc, là, aujourd'hui, il y avait du monde à la maison. Bon, après, ça me fait plaisir, hein, mais bon. C'est une fois tous les 6 mois. Donc, voilà. Et puis, bah, en fait, quand elles sont arrivées, en plus, mes soeurs, il était 17h25, un peu comme ça. J'ai dit, punaise, c'est peut-être le gars qui arrive vraiment à 17h30. Mais non, c'était mes soeurs et lui, il est jamais venu. Sinon, j'ai eu un colis Amazon aujourd'hui. Donc, je vais peut-être vous en parler, enfin vous le montrer dans cette vidéo, mais je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais c'est pas grave, on peut regarder ensemble. De base, donc ce n'est pas un partenariat par rapport à ma chaîne YouTube, rien du tout, c'est pas un partenariat, mais on va dire que c'est un test. C'est un test. En fait, on m'a envoyé. Je peux pas expliquer dans les détails en fait, mais bref, j'ai reçu une montre. En fait, je dois donner mon avis, tout ça. Donc, on va dire que c'est un test. Mais c'est pas un partenariat, rien du tout. Voilà. C'est juste un test et je dois donner mon avis. Donc, je vais peut-être vous la montrer. On va regarder ça ensemble. Je vais aller m'installer de l'autre côté. Bon, j'avais déjà ouvert, mais j'ai pas. En fait, je l'ai pas allumé, rien du tout. J'ai pas regardé plus que ça. Est-ce qu'on se met ici? On se mettrait pas ici? Non, on va se mettre à la cuisine. Donc, bah voilà, si vous voulez pas regarder le petit test, on va dire avec moi. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas un partenariat, parce que sinon, les partenariats, voilà, je serais obligée d'en parler dans les vidéos, à mon avis. Enfin, voilà, il y a des conditions, je pense, ou je sais pas. Je n'ai pas eu de partenariat, donc je ne sais pas. Mais là, en fait, là, de base, je dois même pas, je suis pas obligée du tout de vous en parler parce que ça n'a rien à voir avec YouTube. Ce n'est pas du tout un partenariat, comme je vous ai dit. C'est juste un test pour que je dois donner mon avis et puis voilà. Donc, c'est smartwatch, comme ça. Donc, c'est large scrim, bracelet. Bon, c'est un bracelet large. Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Donc, c'est, vous la trouvez sur Amazon. Moi, je l'ai eu en rose. On va regarder ça. Hein. Motaste, je sais pas si c'est la marque. On va regarder ça. Je l'ai pas vraiment déballé en fait. Je l'ai reçu, mais comme après ma mère à l'arrivée tout ça, donc je l'ai pas ouvert. Donc là, vous avez la boîte, la notice, instruction. Alors, montre sportive intelligente. Glorified manuel d'instruction. Elle est comme ça. Avec le chargeur. Moi, mon chargeur, la montre là, mon chargeur, il est en pince. Et là, je vois que c'est comme ça. Ça a l'air pas mal. On va regarder. Je sais pas, j'ai pas du tout. Il y a encore l'étiquette dessus et tout, donc. Je vais regarder ça avec vous. De toute façon, vous aimez bien discuter, donc bon, autant que je regarde mon colis avec vous. Alors, description de l'apparence. Par contre, moi et mes yeux, on va essayer de lire ça. Alors, bracelet court, bracelet long. Ok. Zone tactile plein écran. Et le bouton latéral. Ok. Capteur de lumière verte. Contact d'aiguille de charge.
schéma de charge. Bon, ils vont montrer comment il faut la charger. Hein, donc, là, j'ai un truc à retirer. Hop. C'est comme ça, du coup. Donc, voilà. Bah, de toute façon, après, il y a les trucs là. Alors, je pense que voilà, hein, c'est évident, en fait. Voilà. Oh, c'est trop bien. Elle se clipse, en fait, regardez. La mienne, je galère. Mais là, en fait, vous avez juste à la poser. Elle se clipse. Oh, c'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. J'aime trop. C'est trop bien fait. Franchement, c'est trop bien fait. Après, moi, perso, je donne mon avis vraiment. Mais là, franchement, au niveau du chargeur, là, c'est trop bien. J'aime trop. Ensuite, ils disent quoi, du coup, pour cette montre? Introduction en fonction de la montre. Alors, le bouton marche-arrêt, appuyez longuement sur le bouton marche-arrêt pour la marche. Appuyez brièvement sur l'interface de fonction pour revenir. Bon, déjà, on va retirer quand même le truc, là. Parce que ça sert à rien de le laisser. Alors, du coup, je vais l'allumer. J'espère qu'elle est chargée, parce qu'en fait, je vais regarder avec vous, mais... Ah, ça y est. C'est trop stylé. Ça fait trop beau. Donc là, c'est bon. Bon, elle n'est pas du tout à l'heure et tout, donc ça, on va regarder, hein. Alors, ils disent quoi, du coup? Par contre, elle s'éteint vite. Alors, interface principale. L'affiche... Alors, moi, je vois pas clair. Elle affiche l'heure, la date, le nombre de pas en cours. Et... Je vais faire comme ça. Et d'autres affirmations, machin de la montre, appuyer longuement. Il me faudrait une loupe, je vous jure, il me faudrait une loupe. Alors, du coup, moi je pense qu'après, en fait, c'est juste pour le... Si j'appuie tous les 5 minutes... Vous tournez. Nombre de pas. Le rythme cardiaque. Bon, après, je sais pas c'est quoi ça. Oxygène. Oh, il y a la musique. Trop stylé. Bon, il n'y a rien dedans, du coup. C'est pour le sport. Et il y a tout dedans, apparemment. Tennis, badminton, baseball, basketball, football, rugby, gymnastique, vous avez plein de trucs. Ouh, j'ai fait des conneries. Yoga. Vous avez plein de danse. Il y a plein de trucs. Franchement, c'est stylé. Comment je fais pour retour en arrière? Attendez, hein. Par contre, elle n'est pas beaucoup chargée, donc il va falloir que je la mette en charge. Comment je retourne en arrière, par contre? Bon, ça s'apprend, hein. Ah, bah voilà. Pour appuyer juste sur le petit bouton. Donc, il y a la tension artérielle. Donc, ça, c'est... Alors, c'est ce qu'on avait vu. Donc, training, ça, c'est les exercices. Voilà la musique. Ça, c'est l'oxygène sanguin. Ça, c'est la tension artérielle. La fréquence cardiaque, nombre de pas, et puis là, bah, la page d'accueil, on va dire. Hein. Mais franchement, c'est trop stylé. Bon, je pense qu'en fait, après, il y a la... j'ai une application à télécharger. Ouais, j'ai une application à télécharger, je pense. Voilà. Application installation. Donc, je pense que je vais devoir installer l'application pour la mettre à l'heure, tout ça, et après, ben, la recharger. Mais franchement, après, je sais pas du coup ce que... Parce que moi, j'ai l'habitude avec la mienne. Vous voyez, elle est toute fine. On va essayer de mettre celle-ci à la place pour voir si ça me fait pas bizarre. Parce que ben, moi, j'ai l'habitude du coup avec ma... Et vous voyez, moi, le truc de charge, c'est ça. C'est... Faut pincer, en fait, et mettre ça. Là, le bracelet, il est peut-être un peu grand pour moi. Du coup, je sais pas. On va regarder ça.
Attendez, j'essaye de la mettre. Ça, je dois donner mon avis, donc autant la tester en même temps. Hein. Je vais pas y arriver. Bon, moi, j'ai un petit poignet. J'ai un poignet de mini-pouce. Mais franchement, ça fait pas drôle en fait. Non, ça fait vraiment pas drôle en fait. Bon, là, il faudrait peut-être que je la resserre encore un petit peu, mais je trouve que ça fait pas bizarre sur mon poignet. Ouais. Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Si je la mets un peu plus serrée. Parce que moi, j'aime bien être serrée quand même dans ma montre. Bah, et puis en plus, pour. La fréquence cardiaque et tout, c'est quand même mieux. Hop. Ah, là, elle tient bien là. Oh, c'est trop beau, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. En plus, j'appuie sur le bouton du coup quand elle s'éteint. Mais vous n'avez pas besoin, vous faites juste ça. C'est-à-dire là, ça marche plus. Vous bougez juste un petit peu et en fait, elle se met. Mais franchement, elle est trop belle. J'aime trop. En plus, la couleur, elle est belle. Bah écoutez, je vais regarder ça. Du coup, je vais mettre à l'heure des jours. Parce que là, il est 6h16. On est vendredi, là, sur la montre. Bon, zéro pas, ça, je me doute. Mais bon, du coup, même les calories, les kilomètres et tout, forcément, c'est à zéro. Vu que je ne l'ai pas connecté à mon poignet. Et franchement, elle est trop belle. Alors, le truc de charge, c'est trop bien. La montre, elle est vraiment trop belle. Et puis après, bon, bah, les fonctions, de toute façon, elle fait un peu les mêmes choses que la mienne. Bon, la mienne, elle est beaucoup plus fine. Hein. Il y a une différence. Hein. Et apparemment, on peut, pareil, j'ai pas vu là. Attendez, je vais regarder. Oui. Là, il y a les musiques, comme je vous ai dit. Là, il n'y a pas de musique dedans, non. Mais je sais pas comment ça marche. Ça, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi, ça. Ah, voilà. Il y a même les messages. Vous pouvez lire les messages dedans. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Bon, là, il n'y a rien, du coup, forcément. Mais vous pouvez aller lire vos messages. Et en fait, normalement... oui. J'arrive, chérie. Normalement, en plus... vous voyez? Je vais vous faire voir, du coup. Vous voyez, quand, par exemple, je vais... dans, je sais pas si vous me voyez bien. Par exemple, je vais là. Ah, c'est quoi ça? La météo. Stylé. Je vais dans message, par exemple, là. Bon, bah là, j'ai pas de message. Et pour revenir en arrière, en fait, j'appuie juste. Hop, hop, et je suis revenue. Elle est vraiment pas mal. Et la mienne, normalement aussi, je crois qu'elle le faisait lire les messages parce que j'ai réussi une fois. Mais j'ai réussi qu'une seule fois. Il n'y a pas le. Sur le cadran, il n'y a pas de message. C'est une montre que j'ai reçue, elle est belle. Ouais. Franchement, elle est belle, regarde. Comment t'as fait trop quoi, belle. Ça, tu peux envoyer des messages avec, peut-être. Non, tu peux lire les messages, mais elle est trop belle. Ah. Regarde, tu peux lire les messages et regarde. Là, c'est le battement du cœur. Tu peux faire du sport, les pas, et tu peux même écouter de la musique, apparemment. Bah, écoutez, je vais essayer de télécharger l'application. Et de la mettre à jour tout ça. Après, il faut que je la charge quand même parce que je sais pas combien elle est de batterie. Maman, quand on voit la construction. Ah, il y a encore ça de l'autre côté. Il y a encore des autres modes. Maman, c'est quoi ça? Tu viens. Ah, vous avez le premier là. La luminosité de la montre. C'est trop bien ça. Hop. Après off, je sais pas c'est quoi du coup. C'est peut-être pour l'éteindre. Off. Reset. Info. Reset, non. Info. Ah, avec le nom et tout. La version de la montre. Elle est belle. Maman, ça montre que. Franchement. Paramètres. Ah, il y a encore des autres trucs. J'avais pas vu ça. Je sais pas c'est quoi. Il y a plein de choses. Stopwatch. Attends, il y a une araignée là. Attendez, je reviens. Il y a le chronomètre. Regardez.
Il y a même le chronomètre. C'est trop stylé. Trop stylé. Oh, c'est trop bien. On peut avoir un chronomètre. Comment? Oh, c'est trop bien. Maman, je suis choquée là. Ta montre. Elle est belle. Choquée, je crois. En plus, tu peux faire 2000 tours. Maman, ta montre, elle est incroyable. Par contre, attendez, j'arrive plus à sortir du chronomètre. Ouais, parce qu'en fait, là, avec le chronomètre, j'appuie sur le côté. Ça remet en route. C'est trop bien. Maman, mais par contre, attendez. Par contre, j'arrive plus à sortir maman. Du... Vous allez tomber, là. Maman. Mel, 2 minutes, s'il te plaît. J'arrive plus à sortir du chronomètre. Ah, je n'ai pas réussi. Ah, c'est bon. Non. J'ai réussi. Donc, du coup, je regarde s'il y a autre chose. Les messages. Ouais. J'avais, en fait, j'avais pas vu qu'il y avait... après les messages, qu'il y avait le chronomètre. Ça, je sais pas c'est quoi. Que c'est écrit, c'est quoi ça? Ah bah oui, en plus c'est écrit, hein, je suis bête. Paramètres, météo, chronomètre, information. Alors la montre peut recevoir des notifications telles que... des messages. Il y a plein de trucs en fait. Après, il y a rechercher, il y a musique. Il y a beaucoup de... Franchement, il y a beaucoup de fonctions. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour raccrocher. Oui, bah, je vais venir. Tu attends 2 minutes. Bon, j'essaye de télécharger l'application sur mon téléphone parce que vous êtes sur mon téléphone. Et j'essaye de la mettre à jour et tout. Mais franchement, elle est trop, trop bien. Trop stylé, trop bien. Je suis très contente. Trop, trop contente. Bon, je vous reprends après. Bon, je vous reprends. Il est... Je sais même pas il est quelle heure, mais ça fait un moment. Il est passé minuit, je crois. Ouais, minuit 23. J'ai réussi à l'installer, l'application, mais j'ai galéré parce que j'avais pas le truc de scan. Donc, j'ai installé un truc de... pour scanner. J'ai scanné tout ça, donc j'ai cliqué. En fait, il y avait Xiaomi dans mon téléphone ou Huawei. Donc, je dis, bah moi, j'ai le Huawei, mais je sais même pas si c'est le mien. Et en fait, il me l'a installé, mais sur mon autre téléphone. Donc, je verrai avec Chouchou demain. Bon, ça fonctionne, hein, je veux dire. Elle s'est mise à l'heure. J'ai pu mettre mon nom. Elle m'a compté les pas. Tout fonctionne très bien. Elle est vraiment bien. Mais elle me l'a mis sur mon ancien téléphone. Donc je verrai avec Chouchou pour essayer de me l'installer sur le nouveau. Ce que j'ai fait. Oh, je suis bête. J'ai oublié de mettre le dessus de la pochette. Donc voilà. Donc là, je la mettrai certainement... ouais, demain. Je vais la charger demain et je la mettrai un petit peu à mon poignet pour voir quoi, hein, si ça me dérange pas, tout ça. Mais... sinon c'est très bien. Mais du coup l'application elle est sur l'autre téléphone. Bon c'est pas grave. Allez. Bon je vais remettre celle-ci hein, même si elle est éteinte. Je l'ai toujours au poignet. Bon peut-être après du coup je lui laisserai toujours la rose. Peut-être je vais toujours laisser la rose après. Je vais brancher mon téléphone. Par contre j'ai plus de batterie. Je suis là. Hein. Je suis plus là. Je suis là. Mon chargeur, il est coincé. Je branche un petit peu mon autre téléphone parce qu'il est déchargé, mais celui-là, il est déchargé aussi. Donc, je vais le brancher aussi. Kenma, qu'est-ce que tu fais ici? Là, il y a qui? Il y a Kimi. Et là, il y a qui? Il y a Maman! Ah, qui? Voilà.
Donc je vais vous laisser pour ce vlog parce que là je vous ai plus parlé de la montre qu'autre chose. Mais bon, je voulais vous la montrer. En plus, franchement, elle est trop belle. Et elle a vraiment l'air trop trop bien. Donc voilà. Au moins, mes cheveux vont avoir le temps de sécher parce que je les ai lavés du coup. Comme on a été couper les bambous. Je sais même plus si je vous l'ai dit. Du coup, après manger tout ça, on a débarrassé tout avec Camille. Et on a été couper les bambous. J'étais piquée, je crois. Ouais. J'étais piquée tout là. Et j'étais piquée... Bah, vous verrez pas parce que c'est... Pourtant, j'avais un t-shirt et un jean. Je vous mettrai dans la petite vidéo, là. Le passage là, je vous mettrai. Comment je me suis fait piquer. Je me suis fait vraiment piquer un moustique. Là, du coup, comme ça me grattait de partout parce que les bambous, ça gratte beaucoup, en fait. Et plus les moustiques. Et du coup, on a été prendre une bonne douche. Bah, Camille a été prendre sa douche et moi, j'étais prendre une bonne douche. Du coup, bah, comme ça me grattait, j'ai relavé quand même mes cheveux. Donc là, ils sont encore tout mouillés en dessous. Ils sont tout crôlés, forcément, vu qu'ils sont... Ils viennent d'être lavés. Vous voyez, quand je les lave, ils sont tout crôlés. Tout crôlés. Donc, ils sont mouillés. Voilà. Donc on va laisser sécher bien les cheveux. Bon là ça va, c'est pas trop mouillé, mais encore un petit peu dans le milieu en fait. Mais ça va. Ils ont déjà bien séché quand même. Donc voilà. Et du coup je me suis fait, ouais, je me suis fait piquer partout. Mais on a bien nettoyé au niveau des bambous. Parce qu'on voyait plus rien au niveau des bambous. Je sais pas si vous aviez vu dans les autres vidéos. Tandis que là on a bien fait, on va dire, l'arcade au niveau de la barrière. On a fait tout le l'autre côté, sur le côté, vers chez mon voisin. Et il nous restera tout l'extérieur, en fait, du côté du passage dans la rue, quoi. Parce qu'il faut quand même qu'on nettoie. Donc ça, on fera faire ça demain. J'ai mal à ma... Oh, j'ai mal à ma jambe, je sais pas ce que j'ai fait. Par contre, je vous ai montré, là, je suis moins rouge. Mais c'est vrai que quand je touche à côté, j'ai mal. C'est peut-être normal, je sais pas. Ma soeur, elle me disait, fais attention, les piqueurs de moustiques. Ils ont dit que là, il y en avait des plus dangereux. Mais bon, ça a dégonflé quand même et c'est moins rouge. Et ça me fait un peu mal quand j'appuie. J'ai peut-être fait une mauvaise réaction, écoutez. Parce que même là, ça me fait mal de l'autre côté alors que... Que j'ai rien. Bon, bref. Ça va passer. J'aurais dû mettre de la crème, mais j'en ai pas, donc tant pis. Bon, je vais vous laisser pour ce vlog du jeudi. Demain, bah du coup, je vais téléphoner pour savoir pourquoi ils sont pas venus. Parce qu'en fait, ce matin, l'entretien que je vous avais dit, c'était juste pour vérifier les prises, tuyaux de gaz... Bref. Et en fait, j'avais autre chose à faire et du coup, j'avais annulé le rendez-vous de ce matin pour le remettre, genre, je sais pas, un peu plus tard dans l'après-midi ou bref. Mais j'ai envoyé un message, j'ai prévenu, machin. Donc voilà. Ils sont pas venus, je pense pas, vu qu'il n'y a pas eu de papier, rien. Mais est-ce que du coup, ils ont pas annulé mon rendez-vous de cet après-midi? Ben, c'est ce que Camille et Christophe y pensaient. Je dis, mais ça n'a rien à voir. J'ai annulé le. L'entretien annuel, quoi, enfin, de entre 8h et midi. J'ai jamais annulé le menuisier entre 13h30 et 17h30. Donc on va appeler demain, écoutez. Bon, le principal, c'est que la chaudière est déjà et la chasse d'eau sont faites, mais j'aimerais bien quand même qu'ils changent la poignée. Donc on va rappeler. Bon, à mon avis, ça sera pas avant la semaine prochaine, du coup, maintenant. Bon, allez. Pardon, on va aller se coucher. On va aller se coucher. Demain est une nouvelle journée. Demain, je vais peut-être finir mes bambous quand même, mais je me fais piquer de partout, partout, partout. Mais bon, de toute façon, ce sera que le soir.
Et j'ai des papiers à faire, il faudrait que je bouge quand même. Il y a toujours des papiers à faire, mais j'en ai encore quand même beaucoup. Bon, on verra ce demain. Si j'ai le courage. Kenma! Kenma! Elle fouille dans le sac. Je sais pas ce qu'elle va piquer dans le sac. Bon, allez, je vous fais des gros gros bisous. Moi, je vous dis à demain pour le prochain vlog. Ce vlog, vous allez l'avoir quand? Je sais pas. Parce que je crois qu'il y a. Je crois que vous l'avez 2 jours après. Donc là, ce vlog, vous allez l'avoir que samedi soir, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc au cas où, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche ou une bonne semaine parce que je sais plus quand ce vlog va sortir. Je vous fais des gros gros bisous. Je vais l'empêcher également parce qu'elle fouille la poubelle. Et je vous dis à demain, du coup, pour le prochain vlog. Bye!